Magela, Manuela, Awande, Banuze ya solo. Ba papa na ba mama to kende, bota la chene na biso yo. Isan ya son of free TV. Awande ba sango ya solo. Isan ya son of free TV. Salut chers abonnés, youtubeurs et téléspectateurs. Salutations également à tous ceux qui me suivent sur Free TV Caprice et Jerison, Papa Warrior. Continuez toujours de vous abonner et surtout n'oubliez pas de liker l'émission. Alors, avant que nous avons un gorille, na tilapia, alors, na coupé sa bambote et nangaï, na fifi la douceur. Je sais que tu n'es pas la seule à soutenir la chaîne. Julia Georges, la grande dame de Colmar. Paola de Zurich, taille acoustique, maman à Kéliane. Nansouawin à Siloé, à Lausanne. Bébé Rachin, Rachel Kila, des lèvres sensuelles. Mireille Soumarouga, Amida, des longues jambes. Zulu Mogoso TV, la femme qui brille. Dona Jou de Berne, mon té qui mon aîné à forme. Alors, Ferregola, Naba Goril Nayo, bozo place. Boyo Kamakambo, na tikele bino son. Seulement, n'a y sabino ke, kobeta stade de martyr ne veut pas dire que, ou komi na top. Kobeta stade de martyr et l'ingo lobate ke, ou komi na niveau moko na fali. Non, bosana, bo kesine zali. Alors, ce qui y a eu mon abokeseni angote, to bino ba goril bo mon abokeseni angote, alors, batu ya communauté internationale, ou ba ki pa moro a musique, ba hotel sabino ke fali azana top. Donc, ce qui ba bwa ki oeil na Congo ba zo mon a fali. Donc voilà. Alors, donc, bo longo la ba illusion wana ke ce qui obéti stade de marxi, parce que misien nyo so oya beti stade de marxi na sima ya fali. Donc, azako se prétendre être supérieur musicalement parlant par rapport à Fali pour abéti stade de martyr quelque chose font qui va porter quelque chose sale qui va ndengini nango wana mais ko bete stade na yo ingo lobate ke donc oleki Fali au niveau oyo Fali akomi nanu bokomi angote pour Fali abéti stade wana asali ba étape belé à travers cette étape belé oyo bino batu bozoya ko bete stade na sima ya Fali nanu bo traverser cette étape wana te. Donc voilà, beaucoup mieux tout dans cette étape ni boye bibino moko. Fali aouti musika a traversé, a traversé, a traversé, a traversé. Ti aye ko beta stade en dernier lieu pété. Mais bino bo surtout ke lika stade. Ba devoir ezebeli. Alors, d'où na répéter les sous que ko beta stade
Il n'y a pas le bateau qui est au liquide fali, au commun niveau fali, pour au petit stade. Bobo san. Alors, tout l'anda, n'a pas de son oyo. Et puis, pour comprendre. Donc voilà. Ensemble, le jeu de la francophonie, et ça l'a mis avec succès, mais il y a eu quand même quelques couacs. Et aussi, les organisateurs du 9e jeu de la francophonie pour lier l'utile à l'agréable par rapport à la tenue du 9e jeu de la francophonie, ben, c'est à qui aspect il y a musique. Parce que nous sommes quand même Kinshasa, une capitale de la musique. Mais n'a ouvert ses yeux comme n'a clôturé. Effectivement. Alors, le débat maintenant tablé autour, il y a ouverture et puis la fermeture. Okay. Bon, yébi, que ouverture est Zalaki agrémentée par l'artiste musicien Fally Ipupa. Okay. Et la fermeture est Salamakinan de Konabiso, fait Richard Dipoule, Oto Yébi, Aza, Alanganze Mbomonene, Oyo Congo, et Lingaka, Opa Kosa, la fierté, il y a Mbokanabiso. Maintenant, le grand débat, c'était autour de la cacophonie qui a régné dans la manière de programmer les activités artistiques, c'est-à-dire les spectacles des artistes musiciens. On a déploré le fait qu'il y ait cacophonie. Ouais. Parce que Natalaki Ndeko Ferré, en tant que Alanga Nzembo, Ferré a sali deux spots. Ferré a annoncé deux dates. Ferré a annoncé deux lieux. Ferré a tenir des discours. Et de surcroît, Tata Mokambi même, il y a 9e jeu de la francophonie, le coordonnateur Isidore Kwanza, Yemo Kopé, a talisi ba confusion et belé autour, il y a ba contradiction sur les dates, sur le lieu, et en plus, à Ebisibiso même que Ferré, Akobeta, na chapiteau, il y a palais du peuple, alors que cela n'a pas été le cas. Dans un problème organisationnel. C'est-à-dire, dans nous avons déploré le problème organisationnel. Okay. Et en plus, on a déploré le fait qu'il y a eu une très grande différence en termes d'organisation par rapport à ouverture, au SCPLISA qui va congolais et belé. Parce que ça fait quand même belle urette que Mbokanabiso Tomo un événement d'une telle envergure en termes d'image, en termes de spectacle. Et ça, et loko, et ça, la fierté, il y a Mboka. Mais malheureusement, à la clôture, au lieu de correspondre le niveau de la qualité, il y a ouverture, mais le niveau, il y a fermeture, il y a BBC. Parce que qualité à spectacle, la fermeture n'était pas au rendez-vous. La lumière n'était pas au rendez-vous. L'organisation n'était pas au rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec l'artiste. Ça n'a rien à voir avec les artistes. C'est un problème, organisationnel. C'est un problème des organisateurs. Okay. Et nous, nous l'avons déploré. Alors, la fin maintenant, il y a débat Nabusso, c'était autour du contrat. Fally a signé avec qui? Ferré a signé avec qui? C'est alors que j'ai voulu éclairer l'opinion et c'est d'ailleurs par rapport, il y a organisation, il y a ouverture, parce que Bateau va organiser qui ouverture. C'est une autre structure qui ne dépend pas du comité national, le 9e jeu de la francophonie. Bateau va bengisa qui Fally, na Barbara, moi je suis à Mondelo, on a pour ça la spectacle, na Bango, ça n'a rien à voir avec le comité national. Il s'agit justement des Vivendi Sports. Au hasard, agence Yamoneno, à Gaba, grand événement, encore une fois, on a qu'on rappelait Nabato, que c'est pour la deuxième fois que Vivendi a Bengisa Fally pour un spectacle dans un stade. Parce que la première fois, c'était au Cameroun. Lors de la Cannes, ouverture, il y a Cannes, na Cameroun, Vivendi, ba Bengisa qui Fally pour qu'à ça la ouverture. Et la deuxième cérémonie, na stade des martyrs, Vivendi, ba Bengisa Pelisousou Fally pour que à ça la ouverture. Maintenant, après bah, des ordres d'organisation au niveau du comité national, Fally a désisté parce que c'était prévu que Fally avait à peine à fermeture. On a vu, les six. On a vu sa lettre. Effectivement, Fally a sali lettre naïe que Akobet a laissé sauter. Pourquoi? Parce que Azan a raison naïe, Oyo a poussé, Oyo a zolo bakezo correspondre à la vision artistique naïe te. Et voilà, nous avons établi cette vérité et lobby na banzi bato balandaki neko Isidore Kwanza aleka ki na ba etandoike pona ko sembola na o etay likambo contrat. Et oui, monsieur Isidore Andimi, qu'effectivement Fally ati kala ko signer un quelconque contrat na Isidore Kwanza te, c'est-à-dire le comité national te, moins encore na neko Jésus Noël Cheke o azana en agence nae hypoxie oye beti saki ba musicien nyon somone ba betaki na même la boye y a pas effectivement voilà, pas a saki moussa la forme donc c'était juste cette précision là pour na kota lisana bato que boye faire assigner na nani faire assigner na Isidore Kwanza. Ok, maître Gims assigner na Isidore Kwanza.
Okay. C'est-à-dire un comité national. Mais est-ce que tous les artistes... le fait pour Fally Ipupa de signer avec quelqu'un d'autre, hein, une autre structure, par rapport à ma prénom Ferré seulement, est-ce que ça fait de lui un grand plus que l'autre? Bon, ce qui est sûr... Ça, c'est quand même la polémique quinoise aussi. Bah, au moins, ceux qui ont lobby, il y a grandeur, il y a Baptiste Nabisso, à la différence avec les autres. C'est ce qui excite même la polémique. Okay. Mais ce qui est évident est que à l'heure actuelle, le seul artiste musicien congolais au hasard a notoriété internationale est Zaka Kafali. Et le seul artiste musicien congolais au hasard a notoriété internationale est Zaka Kafali. Et le seul artiste musicien congolais au hasard a notoriété internationale est Zaka Kafali. Et le seul artiste musicien congolais au hasard a notoriété internationale est Zaka Kafali. Et Fais Ali, on a l'ingraté de discuter sur évidence. Fally, c'est le seul artiste au hasard à cheval pratiquement entre la musique rumba et la musique urbaine. Fally a la notoriété internationale. Et Zaka Kate n'a joué à francophonie. Et Zaka Kate n'a Cannes et à Cameroun. Fally est le seul artiste musicien congolais qui a été convié à deux reprises à la conférence USA Afrique. La première fois, c'était sous Barack Obama. Il y avait le chef d'État à côté et le trois stars africaines à côté. Il y avait Youssou N'Dour, Yaya Touré et Fally Ipupa. La deuxième conférence USA Afrique, c'est sous Joe Biden. Et heureusement que le président Tshisekedi y était convié. Fally était là et il a profité effectivement de cette tribune internationale pour présenter la situation de l'insécurité de l'Est. Fally a été convié à un rendez-vous au niveau de l'Union européenne. Fally a été reçu par Ban Ki-moon en tant que secrétaire général des Nations Unies à l'époque. Fally a signé de grands contrats, notamment avec la fondation Chirac, pour la lutte contre le faux médicament. C'est-à-dire aujourd'hui, le seul musicien qui a une grande notoriété artistique, c'est Fally. C'est le seul musicien qui a fait le BT Award, le Grammy Award à Frima. C'est le seul musicien qui est certifié SNEP, c'est-à-dire disque d'or certifié sur le plan international. Le seul musicien congolais à avoir vendu plus de 50 000 exemplaires sur le sol français. Mais qu'est-ce qui expliquerait cette renommée, cette évidemment ascendance, Likolo Yabaninga, mais Ezanini, parce que c'est un bon chanteur, c'est il fait bien son travail, parce que le dénominateur commun, c'est la musique, c'est l'art. Est-ce qu'il le fait mieux que les autres? Bien sûr que oui. Au moni lelo, tant au Togo le Balikambo, il y a une industrie musicale. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans la ligne de compte. Il y a beaucoup d'enjeux. Parce que lelo Togo migré de la musique traditionnelle vers la musique moderne, la musique industrialisée, où il y a un impératif nango. Principalement, il y a la question de la technologie musicale qui s'impose aujourd'hui. Et Fally a compris le jeu. Fally s'est permis d'émigrer de la musique locale vers la musique urbaine et la musique internationale. Et pour migrer vers la musique internationale, il faut s'adapter par rapport aux impératifs de la révolution technologique. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'utiliser les batteries électriques. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'utiliser le grand studio d'enregistrement et des mixages de son. C'est-à-dire qu'il faut être capable de chanter en français et en anglais pour communier avec les autres peuples qui te consomment. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'intégrer ta musique, par exemple, sur le sol autre que le sol congolais. Vous avez vu comment Fally s'est imposé dans l'espace africain tout en faisant les collaborations avec toutes les grandes stars de l'Afrique. On dirait que la fétiche, la magie, Ipupa, c'est peut-être le management qui a réussi. Non mais Fally a réussi sur le plan du management. Fally est fort du point de vue de la communication. T'as là le marché musical congolais. Ce marché est pollué de tout le phénomène qui aujourd'hui ne favorise pas les artistes musiciens congolais, notamment le phénomène des piratages, les duplicatas de CD. Aujourd'hui, ils ont un musicien congolais qui a côté côté qu'à CD, na Congo, na marché congolais, peut se retrouver. Mais aujourd'hui, Fally a transcendé les niveaux nationaux. Pourquoi? Parce que à côté qu'a produit naie, justement, sur ma plateforme de téléchargement. Aujourd'hui, Fally est le seul musicien congolais évoluant au Congo, au hasard le plus streamé
Parce que ce qu'on a streaming, au coup que Fally est le musicien le plus écouté. Fally est le premier musicien congolais qui évolue dans le Congo. Oh, ça plus se télécharger. Parce que ce que par exemple, à niveau à Snap, où ça organisation est certifiée à disque d'or, il y a artiste. Snap a ça la compilation ou la comptabilité générale. Il y a nombre, il y a streaming, il y a musicien. Nombre de téléchargements et puis nombre y a bah CD vendus au regard et à critères du seuil déterminé par Snap. Parce que pour que l'album n'a eu à la certifier disque d'or, il faut atteindre plus de 50 000 exemplaires vendus. C'est-à-dire selon la compilation ou la globalité de la comptabilité générale par rapport à trois volets au Naotikotang. Ouais. Mais dans ce cas où n'a pas plateforme, au bah musicien bah tchaka bah produit n'a pas. Fally est le seul musicien congolais le plus consommé sur YouTube. C'est-à-dire, il vend sur YouTube, il fait de millions et des millions de dollars. Fally est le seul musicien le plus consommé au niveau de Spotify. Fally est le seul musicien consommé au niveau de iTunes, et surtout iTunes France. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur le plan musical, le musicien le plus vendu, le musicien le plus consommé au niveau du pays, c'est Fally. Et le dire, c'est une évidence sur laquelle nous ne pouvons pas discuter. Il n'est pas comparé à Ferré. Pas du tout. Comparer Fally et Ferré, ce serait Ongana Kobenga, un manquement à la méritocratie, un manquement au travail d'un artiste qui arrive au point d'imposer et de mériter son respect. Comparer Fally et Ferré, ce serait Ongana Kobenga, un manquement à la méritocratie, un manquement au travail d'un artiste qui arrive au point d'imposer et de mériter son respect. Comparer Fally et Ferré, ce serait Ongana Kobenga, un manquement à la méritocratie, un manquement au travail d'un artiste qui arrive au point d'imposer et de mériter son respect. Ferré a ali musicien na biso tolingaka mingi, mais la plus bonne manière est à kolinga Ferré, c'est à kotindika Ferré à kende liboso. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais ce qui ne va pas au niveau de Ferré, Ferré a un sérieux problème de communication. Ferré a un sérieux problème des présentations artistiques. Ferré a un sérieux problème de contenu. Ferré a un sérieux problème des visions. C'est-à-dire, mon gongo a quitté ko ya Ferré. Ce qui Ferré a s'adapter na ba impératif on a opti ko loba, Ferré fera la plus grande star, non seulement de l'Afrique, mais la plus grande star au niveau mondial. Pourquoi? Parce que Ferré a un avantage à Liboso, c'est sa voix digitale. Voilà. Tu ne crées pas la polémique stérile, mais plutôt tu fais des propositions. Pas du tout. Il y a un analyse qui manager, il y a Ferré. Il a enfermé Ferré dans un maquis pendant une année. Et pendant une année, on apprend à Ferré comment on parle. On apprend à Ferré comment s'adapter dans les impératifs de la nouvelle technologie. On apprend à faire et comment se présenter sur les réseaux sociaux. On apprend à faire et comment migrer de la musique congolaise vers la musique moderne. Et une année après, on présente maintenant Ferré comme un produit dans le marché africain. Et vous allez voir que le Ferré d'aujourd'hui ne sera pas le Ferré de demain. Ferré à son nom maquis. Mais Ferré à son nom maquis. Merci. Bah évidemment, pour tout boucler le dossier, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Félix Oise, quoi? Parce que on entre dans cette dynamique, il y a ma production, évidemment, la carte, il y a stade, tout le monde a chanté, Fally a chanté, Ferré également, Moyena, tout ce que tu viens de dire, mais quelques jours, quelques semaines après, c'est Félix Oise, quoi? On a vu que le résultat, Ezaki peut-être tout autre, et lui-même a réagi déjà pour dire que Ezaki n'a 4 points, il a réussi n'a 3. Alors, que soit Ezaki bien, spectacle Ezaki malamo, peut-être accoutrement naïep, Ezaki très séduisant parce qu'on parle de sa veste, je sais pas Ezaki comment, mais problème, il n'a pas su qu'au Kanga Penza, full, Baya, pour n'a qu'on répondre, mais tout Ezaki bien, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je pense que tant qu'on te remet à l'isolo, à stade, la question majeure est celle de savoir pourquoi musicien Andimi Kobeta Stade. Est-ce que moto Andimi Kobeta Stade po a sepeli sabato to po a prouvé bande konaye ba musicien to Andimi Kobeta Stade pour que akoti sa misolo? Parce que Stade des Martyrs, c'est un cadre beaucoup plus ouvert et qui permet à l'artiste de mobiliser en termes de revenus,
Kokoti sami solo ebele parce que stade wana il en a plus de 80 000 places. C'est-à-dire les lois ils en a pas musicien mingi ba ko sa la musique par passion malheureusement au lieu de faire la musique comme business. Parce que aujourd'hui on parle de la musique d'affaires. Ce qu'on a dit, bah, concert et abato nyon so wana. Encore une fois, je reviendrai encore sur le nom de Fally. C'est là où ça dérange les gens. Mmh. Fally est le seul musicien à livrer. Pour na yo, a unité de mesure finalement. Non mais justement, Fally a unité de mesure parce que la génération na bango, il a fallu que Fally a démystifié Stade Ezala qui prise en otage par le phénomène Wenge pour que après faire Alan de Samanasima. Héritier Alan de Samanasima. Oise quoi Alan de Samanasima. Il a d'abord fallu que Fally ose. Il a osé et il a réussi. Mais ce qu'on a dit dans le stade de Bango, c'est le seul stade qui a fallu qui était payant, au vrai sens du terme. C'est le seul stade qui a fallu qui a été sponsorisé. Vous avez vu une panoplie des sponsors. C'est-à-dire l'artiste, au-delà du fait qu'il a tourné ici, au-delà du fait qu'il a sali un spectacle, l'artiste a fait entrer un très gros revenu à côté de Mbongo. Mais non, yebisanga. Héritier à Betana Stade et Tondate. En quoi l'artiste a gagné? Parce que livrer un concert dans un stade, c'est un gros investissement pour un musicien. D'abord, un, il faut investir en termes de communication, le support médiatique qui vont faire le relais de la communication de ton concert au stade, imprimer les t-shirts, imprimer le bâche, le banderole et les affiches des publicités. Ça demande de l'argent. Et en plus, il faut mettre à la disposition et à artistes une logistique capable pour nous assurer un spectacle de qualité. Donc, maintenant, j'imagine donc que... ne joue pas au stade qui veut. Non, mais ne joue pas au stade qui veut. Ferré a fait le stade, oui, il a fait le plein. Mais il a fait le stade sans sponsor. Il a fait le stade sans gagner de l'argent. Parce que stade... Ça, fait... ça c'était la francophonie, non? Non, je parle de stade à Liboso, au Ferré, à Bétaki. Ah, ok. Pour tes alagi à Kofun, à Mabatouba, Kota qui offrait sponsor à Zalagite. C'est-à-dire, l'artiste a bimisi Mbongo, encore que podium, on va s'y la guifère et ça coûte beaucoup d'argent pour nous louer podium à Nengo. Wana. Mais en contrepartie, l'artiste n'a pas gagné. D'où la conclusion à Betaki Stade, pour la qui ça, que Mouninga naël ou quoi à Betaki Stade, il est pas fort à Beta Stade. Héritier à Betaki Stade, pour la qui ça, le roi a fallu à Betaki Stade, n'a pas à Beta Stade. Oise quoi paix. Aïko si lisa nyongo na carrière nae, ah, loko la ba wenge ba Beta Stade. Loko la ba leki ba Beta Stade. Loko la quartier latin et Beta Stade. So ki nga waze kwa na Beti Stade te, cela suppose que na atteindre sommet na carrière musicale na nga ite. Mais malheureusement, il a fait le stade, mais il a fait un flop. C'est-à-dire, tant au rondi mako Beta Stade, il faut être conséquent. Il faut réunir tout le matériel possible et toutes les stratégies de communication pour réussir ton stade. Il y a lobby à réussir la 3 sur 4, donc Monko et Marché, et notamment mobilisation. Il y a Batouma. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la stratégie Oasé, quoi, pour que finalement, à comme on a résultat à quoi? Manque de communication, manque de préparation, manque de prise en compte des réalités autour, il y a spectacle au sein du stade, et manque d'un investissement sérieux. Manque de stratégie. Ce que Tali Stade y a fallu en termes de communication, mais non. Bah sponsor y a fallu, bah accompagnant y a fallu dans la communication. Au moment où il dit une classe, comment il a communiqué? Onja, tous les autres sponsors. Fally a utilisé une stratégie de communication d'illusion pour emporter bateau. Il a loué 2 jets. Oye ko tambola na likolo na pepo na banderole ya fali pona ko annoncer stade na ye et tambola na kisasa bato ba mona. C'est ça au fait la communication, c'est ça au fait la stratégie. Mais on n'a pas vu toutes ces stratégies et pas Koulou Tounabiso Félix Oise quoi, malheureusement on n'a pas vu cette stratégie et pas Mouninga Nabiso héritier Watanabe. Et on n'a pas vu, c'est vrai, stade ya ferré. Seul avantage offert à Zalaki Nango pour le retour de sa stade nae, c'était l'effet Fally. Le conflit Fally. Parce que. Donc c'est autour de cette polémique-là. C'est autour de cette polémique-là. Maillé par défi. C'est-à-dire, comme Fally
qui aujourd'hui a défié le Wenge, il y a eu un conflit des générations. Il y a un moment même sauté dans le stade na Bango. C'est le seul stade qui a fallu au Batouba Saïla qui est communication, artiste musicien. Parce que le stade a fait Kofi à sa vidéo, JB à sa vidéo, Ouer à sa vidéo, musicien Moussou à sa vidéo. C'est-à-dire que le Wenge s'est mobilisé davantage pour que Bakeneko accompagne. Ferré. Surtout qu'il y avait un enfant du Wenge déjà qui avait fait un flop, qui avait échoué. Je parle de l'héritier, dans le stade, parce que l'héritier n'a pas été après Fali. Alors, comme héritier a réussi ça, qui stade n'a été seul espoir, il y a Wenge, pour garder quand même l'image du Wenge, c'était de se mobiliser à fond pour la soutenir Ferré. Au moins, il y a une vision et c'est un rare à Maël et à Kela cité. Dans les mêmes conditions, mais sur le plan de vision, tu as la vision de l'immorité. Tout comme paix, et que ça soit dans la classe mingité, mais la vision de mon aîné. Ce que tu as dit, carrière a fallu qu'on bande dans le quartier latin. Il y avait déjà cette petite image qui annonçait sa vision vers la musique internationale. Ce côté le premier album il a fallu déjà alors qu'il a esprit à s'ouvrir vers le monde extérieur. Comme preuve, déjà un album né à Liboso, Fali a fait des collaborations avec des artistes musiciens internationaux. Un album né à Mibale, Fali a fait une collaboration avec Olivia. A sali collaboration à Lincha, a sali collaboration à Mokobe. Et plus tard Fali a eu aussi la collaboration avec toutes les stars de l'Afrique. Et c'est ce qui a permis à l'artiste de conquérir le marché africain. Et plus tard encore, Fali a fait des collaborations avec toutes les stars qui dominent les marchés musicaux français. Asali Fitna, Matt Kopora, Aya Nakamura, Dadju, Keblack, MDH. Asali Fitna, Naza, Nabato, Nyonso, Wanabako, cartonné dans l'industrie musicale française. Et c'est ce qui a permis à l'artiste de conquérir encore une fois de plus le marché français. Voilà pourquoi je dis, Fali a vendu plus de 50 000 exemplaires sur le sol français. C'est une question de vision. Et les lotos kamoate, parce que le plus grand défi des Fali, c'est de conquérir le marché anglophone. Mmh. Encore une fois, il sera le premier musicien congolais qui va livrer un concert à Wembley. C'est-à-dire, pour intégrer les marchés anglophones, notamment le marché américain, Fali déjà a commencé à faire des collaborations avec Olivia. Il a fait une collaboration avec R. Kelly. C'est-à-dire, Bato Onyo Sobalingaka, R. Kelly, Obaebi, Olivia. C'est-à-dire, au moins, bah, qu'on a l'occasion de découvrir Fali au travers les collaborations qu'il a faites avec les artistes américains. C'est ça, en fait, la vision d'intégration musicale vers les sphères autres que la sphère nationale. Donc, Fali, c'est la tête d'affiche. Fali, c'est toute une école maintenant. Fali, c'est un objet de motivation pour le musicien local. Mmh. Fali, c'est une référence pour les artistes musiciens qui évoluent sur le plan local. Fali, c'est une personnalité archétype sur le plan africain par rapport aux valeurs artistiques. Et donc Fali, aujourd'hui, c'est les symboles qui représentent le tricolore national parce que c'est que l'artiste fait au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Ça s'appelle la fierté et la dignité de la République démocratique du Congo. Alors, nakanisi bo teyami, bo yo ki penza instruction bien et puis bo yo ki penza son très bien. Donc, bo comprendre si koyo. Et voir même les messieurs à l'obike, yé na place na yé, ce qui a dû faire. A ko coffrer na kati boîte moko boye pendant une année comme ça a te yaye a l'accéné bo français a l'accéné bo communicaka a l'accéné ndengi star a ko zala parce que faire nano a comme star ti bouzo comme c'est star na makase mais nano a comme star ti yé moko azana ko yeba ke nano a comme star ti na niveau ya fali donc nano te donc voilà JP Makoma de Vintetou na kanisi olandi son au très bien toujours meilleur Rod Rodrigue de Zurich toujours sapé comme jamais. Libanais de Bienne. Pedro Massia. France. La force Kamite. Mon vieux Caps. Capital Oussala. Adibio. Adi Yando. Petite sœur. Pasalam non yangwana. Flore et Yamba de Zurich. Mon conseiller.
Maman Lumière de moi à Paris. Vava Valeria. Valeria TV. Mes salutations. Alors, tout le monde est bon dans l'édition Oizoya. Check.